Bonjour à tous. Là, on est rendu en avril. Je fais la seconde partie de iPad 9 que j'avais pris. J'avais commencé à vérifier en février dernier. On est en avril. Je l'avais posté même. Les clients avaient essayé de remplacer eux-mêmes. Je pense que c'est la batterie ou quelque chose comme ça. Sans rien débrancher, ils ont tout débranché. Ça a tout brûlé là-dedans. J'ai tenté la réparation. J'ai remplacé un connecteur. Je me suis servi en passant cette semaine, en fin de semaine, pour montrer justement dans la formation. Ceux qui vont voir cette vidéo-là, qui suivent la formation, vous allez reconnaître une partie. Puis là, je m'en viens à vous montrer ce que j'ai fait pour terminer. Malheureusement, je vous le dis tout de suite, l'iPad, oubliez ça. Oubliez ça. Ils ont vraiment fait... sauter ça. Si vous avez jamais touché à ça, là, c'est pas la meilleure idée du siècle d'embarquer sur un que vous avez besoin en partant. Ramassez-en un de quelqu'un qui est brisé ou quoi que ce soit, mais c'est courir après le trouble. Le danger là-dedans, c'est que à la seconde qu'on le défait, il faut débrancher la batterie. Ici, ça n'a pas été fait. Ça a fait sauter l'iPad. Ah, ça a fait sauter en partie les connecteurs, mais là, ça a tellement brûlé que ça a été plus loin, c'est sûr et certain. Fait que je vous montre la seconde partie pareil de qu'est-ce que j'ai fait là-dessus pour que le client puisse voir qu'est-ce qui se passe. Là, en ce moment, il est branché sur le chargeur. Fait que, allons-y. Bon, ben là, je vous emmène sur une réparation véritable. Généralement, là, ces branchements-là, ça se remplace tout sans passant. Toutes ces composantes-là se remplacent, celle-là ici. Celle-là, par contre, mon fournisseur habituel l'avait pas. Ça, je vais débrancher ça parce que j'enlève la carte mère de là. Puis quand je suis venu pour remplacer l'écran de cette tablette-là, je me suis rendu compte que son connecteur faisait défaut ici. Il y avait même un problème là, dans ces coins-là, mais je pense que ça, je l'ai réglé, puis il me restait juste à remplacer ça. Ça faisait défaut. J'ai remplacé des composantes ici qui avaient sauté à cause de ça, justement. Là, il me reste le connecteur à remplacer. Le connecteur, je l'ai reçu. Il est ici. Il est là. Je m'en ai fait venir deux en plus. Parce que des fois, on a de la misère à les réinstaller, puis j'aime mieux en avoir deux que juste un. On va aller retirer ça. La seule façon qu'on peut retirer ça, c'est vraiment en chauffant par en dessous. Donc, c'est la technique que j'utilise pour aller enlever ça. Mais dans ce cas-là, je suis obligé de démonter la carte mère au grand complet. La sortir de là. La mettre dans mon board, puis après ça, travailler là-dessus. Donc, je vais aller démonter tout ça. Puis après ça, on termine le tout, on remonte tout ça. OK. Maintenant, on est rendu à la pièce qu'il faut remplacer, là. Ah, tout est là. Bon, on voit bien qu'il est endommagé, là. Ça avait sauté dans ce coin-là. Là, il faut y aller vraiment, là, délicatement. C'est pas évident. Moi, je vais mettre un poids ici. Je vais vous le montrer, là. Je me suis mis sur le bord, j'ai mis un poids pour le retenir en place. Microscope cam. On vient remplir ça de flux. Moi, je vais le mettre 390. L'air est au bout. Puis je commence. Et voilà. Lentement mais sûrement. J'ai-tu un pad qui manque? On dirait qu'il a brûlé complètement dans ce coin-là. M'en sera pas. J'avais fait ça le 6 février. C'est pas d'aujourd'hui, hein? Je me rapproche.
Là, ok, c'est peut-être juste la saleté. Je pense qu'il est propre. J'avais essayé de réparer. Ça avait vraiment toasté. Il n'y avait plus d'affichage, le client. Ça avait vraiment toasté là, là. Moi, j'avais corrigé ça ici. Replacé ça. Mais il manquait le connecteur. Mais là, ici. Ok, il y a d'air est encore là. C'est juste de la saleté. On va nettoyer ça comme il faut. Mais je pense qu'il me manque encore un câble. Puis je vais l'avoir cette semaine. C'est pour l'écran. Mais il manque un pad ici. J'espère qu'il ne sert à rien. Non, il n'y a rien de branché là. C'est pour ça qu'il s'est enlevé facilement de même. Il n'y a rien, rien, rien. Fait qu'il n'y a pas de danger là. Allons-y. Tiens. Et voilà. Finalement, je nettoie ça. C'est une grosse succession de nettoyage. Tiens. Et voilà. On nettoie ça à l'air. Je vais le sécher. Donc ça, c'est pas mal à sa place. On l'installe là. On s'assure que c'est la bonne pièce. En plein ça. Tiens. On l'aligne le mieux possible. Là. Puis là, on va venir chauffer en dessous. On réinstalle ça. On met du flux. Et voilà. On commence à chauffer un peu. Tiens. Fait qu'on laisse refroidir ça bien comme il faut. On va laisser refroidir ça. Puis il faut que je remplace le câble de l'écran en plus. Fait que je vous reviens quand j'ai le câble de l'écran. Ok, j'ai reçu la dernière pièce qui me manquait de ce câble-là. Là, pour la tablette, l'iPad. Je vais vous montrer ça au niveau du microscope, comment ce qui avait été endommagé. Là. Hey! Il avait fait sauter, hein, d'aplomb. Ça, c'est ce qui arrive quand on travaille sur un iPad, la batterie branchée. Fait que pour ceux qui planifient de travailler sur des iPads, toujours en premier de tout, débrancher la batterie. Aussi dur que ce soit, parce qu'il y a certains iPad Pro, là. Ouf! Faut aller tordre des affaires pour aller chercher la batterie. Hey, il y en a qui sont en dessous des plaques de métal. Fait que ça, faut que je le remplace. Dans le fond, c'est soudé pareil comme dans le port de charge dans le iPad. Si je m'en viens jusqu'ici, il va falloir que j'y aille lentement. Parce qu'à côté, j'ai d'autres connecteurs. Donc, c'est ici. On va aller enlever le collant qu'il y a là. On va essayer d'enlever le collant qu'il y a là.
Bon. On va mettre du flux là-dessus. On va prendre ça avec du low melt solder. On recommence. Faut pas qu'il reste rien. Tiens. Quand c'est enlevé, on va nettoyer ça. Tiens. Nouveau câble. Il va aller comme ça. Aligné avec les points. Là. Tiens. On va pouvoir réinstaller ça. Flux. Tiens. Oups. On calcule un petit peu. Pas mal de bonnes affaires. Let's go!
Ah, la soudure. Tiens. Maintenant, reste à souhaiter qu'il n'y a pas rien d'autre d'endommagé. Il y a des petits condensateurs qui mâchent à l'île. Maintenant, il reste à essayer ça sur... ma chose avait gelé en plus. Sur la tablette. On va remonter la... la carte mère à sa place. C'est supposé coller là, c'est pas collé. Le câble il est d'une longueur là, comme ça se peut pas. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il est long de même. Coudon, c'est de la bonne. Fait, je vais brancher. Je vais juste brancher ça. Un câble neuf avec une prise neuve. Tiens, l'écran est branché. Moi, je veux juste voir, on voit-tu quelque chose dans l'écran? Si je branche la batterie en la tenant. Ah là, la batterie doit être complètement à terre depuis le temps. Si je branche ça. Il charge.1.09, 1.32, 1.19, 4.900, il descend, 1.870, il retombe à 0. Oups. 1.35, 1.15. Non, malheureusement, là, ça, là, cette tablette-là, là, là, elle serait supposée d'allumer, là. Parce que, puis là, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle tombe à zéro, il essaie de charger, il retombe à zéro. Elle a été maganée, là. Il aurait jamais fallu qu'il joue dedans. C'est tellement fragile, les iPads, quand on joue dedans, là. Fait que je vais être obligé d'avertir le client. Je peux pas rien faire avec ça, malheureusement. Désolé. Merci.